Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Forza Motorsport 6 mode ma carrière. Alors on se retrouve pour le championnat Challenger et on va faire la dernière course qui se passe à Prague, en République Tchèque. C'est parti. À venir, une course dans la ville historique de Prague. Ses rues pavées et ses célèbres tramways ne laisseront aucun répit à vos suspensions et vos pneus. La République Tchèque pour la dernière course du championnat Challenger. Ça va être exceptionnel. Ça va être bon. Belle rue. Alors je sais pas si c'est exactement comme ça à Prague. Peut-être, qui sait. Commencez course. Allons-y, allons-y. En plus on a la queue le. Bon, comme dans toutes les courses. Hein. Mais il n'y a que maintenant que je m'en rends compte. Allez. C'est parti. Alors, nous sommes placés 13e sur la carte, sur la grille, et ça commence déjà à pousser. Doucement les gars. Le virage était trop serré. C'était évident que des collisions allaient se faire. Allez, 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 on perd pas de temps. Je rattrape. J'arrive pas à le doubler lui. Allez. Boost la Subaru. Voilà, on va dépasser un peu tout le monde. Un peu à l'arrache, on dira. Par le chou, c'était quoi ça? Il y a un truc qui vient de tomber, je sais pas si vous avez vu. On est en arrière, vous verrez. Bah, il avance lui. Allez, ah, trop large, mais on est premier. Mais on est premier, et ça, c'est bon. Ça, on est premier, et ça, c'est bon. Un dépassement beaucoup trop large, j'aurais dû serrer un petit peu plus quand t'as touché le mec. Autant le toucher mais faire une course parfaite à la fin. Attends, autant le toucher et le dépasser. Donc se planter. Bon, j'ai pas bougé de niveau, il est toujours niveau des drivatars, enfin des fantômes si vous préférez. Facile. Non, oui, facile, débutant quoi. Et oui, parce que on sait jamais, peut-être qu'un jour je vais finir classé à des trois premiers. Donc j'attends d'avoir bien commencé le jeu pour augmenter le. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? On revient en arrière là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ah, c'est à partir de là. Donc je reviendrai en arrière. Si jamais je me plante trop comme ce que je viens de faire là, j'essaie de faire une course parfaite, mais il faut croire que c'est pas si facile que ça. On va dire massacrer devant. Allez, on va attaquer le deuxième tour. Ça y est, on a attaqué le deuxième tour. Go 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 go! Faut que j'évite de trop toucher les côtés parce que ça ralentit. En fait, il y a tout qui ralentit dans un circuit de course. Que ce soit de voiture ou de moto, c'est pareil. Les motos, j'aime moins. Les voitures, c'est pas mon passe-temps préféré. C'est pas ce que je préfère, mais niveau jeu, si j'ai l'occasion de voir une course de voiture à la télé, si je tombe dessus par exemple. Je regarderai.
Surtout les courses de rallye. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Allez, je pense qu'on va finir premier si l'autre derrière me rattrape pas, mais il s'est bien enlevé du groupe, hein, lui, numéro 2. Il s'est bien séparé du groupe, du coup faut que je fasse attention parce qu'il peut me rattraper si je fais une erreur. Et j'espère ne pas en faire, ce serait triste de me faire rattraper là. Allez, il se rapproche de moi, il est pas si loin que moi. Il me met un peu la pression là, le deuxième. Et je vais essayer de le doubler en ligne droite surtout. Allez, on y va, on perd pas de temps. Plus on prend de l'avance et moins il pourra nous rattraper. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Allez, on freine, si le jeu veut bien freiner aussi. Virage correct. Oh, il y a un petit dérapage. Oui, qu'est-ce que tu fais? Elle a failli partir la voiture, je l'ai senti qu'elle partait complètement. Il a fallu que je joue avec le joystick, freiner. Ouais. Allez. Il dérape beaucoup par contre. Voilà, il me rattrape. Hein. Il me rattrape. Mais je vais quand même finir premier. Oh, ya. Il a failli me rattraper au virage. Ça s'est joué là au virage. Nouveau badge dévoilé, pilote d'expérience. Yes. Terminé. Félicitations, vous avez terminé le championnat haut de gamme Challenger. Le championnat haut de gamme Challenger est désormais terminé. Que nous réserve la suite? Maintenant, attaquez-vous à des circuits de niveau club, idéaux pour comprendre les ficelles du pilotage. Alors, j'aimerais bien prendre je sais pas, une classique. The 60s and 70s were all about experimentation, and the cars were no different. Instead of relying on big V8s for performance, some manufacturers extracted as much power as possible from smaller engines and concentrated on making their cars fun, light, and good-looking. So these were things you could really throw around, which meant they inevitably found their way onto the track, paving the way for touring car racing as we know it today. Ouais, Alfa Romeo. Ah ouais, on a... Ah bah ouais, on a pas mal quand même. Contenu téléchargé. Laquelle est la plus... Bah, je crois que c'est la dernière. Non. Vitesse 4-9, accélération. Eh, quoique, elle est... Alors moi, je veux une voiture vitesse 5, accélération 6. 5-3. Ah, celle-là, elle... On va prendre la 5-3 là. Elle est où? Voilà, celle-là, la Cosmos Mazda. C'est parti, on va prendre celle-là. On passe à Mazda après Subaru. On passe à Mazda. Mazda. J'aimerais bien utiliser la couleur d'un mode, mais je sais plus comment on fait déjà. Trier. Non. Qu'est-ce
quelle couleur on va prendre, hein? Forza Livery. Forza, Forza Livery, Cosmo. Ouais, bah ouais. J'aimais bien la couleur de base, mais à chaque fois, ils nous proposent des couleurs d'un contenu de création. Des fans. Elle est belle, ma voiture. Elle est magnifique, même. Acheter. Oui, je souhaite acheter cette voiture. Pour ma petite collection. Voici votre Mazda Cosmo 110S série 2 de 1972. Elle est belle. J'espère qu'elle... qu'elle fera quelque chose de bien. Alors, épreuve 1 sur 5. Ben, c'est parti. La course suivante a lieu à Hockenheim, qui emprunte des routes forestières de la vallée du Rhin. Ok, ok, ok. Section haut de gamme, championnat circuit de club à Hockenheim et Hockenheimring en Allemagne. Après cette course, on va arrêter l'épisode. On se retrouvera pour le prochain épisode parce que je vais tous les enregistrer d'un coup. En fait. Voilà. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je vais tout enregistrer au moins 3 d'un coup. Comme ça. Ce sera fait, surtout que je prends du plaisir à jouer. Donc, franchement, c'est... j'aime bien, franchement, le jeu, j'aime bien. Comment ces courses. Chaque fois, je bug devant le menu. Alors, ma Mazda. Ma Mazda de 70. Mon ancienne Mazda. Go. Oh là là là. Je crois que je vais avoir beaucoup de difficultés. Oh, ya 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 ya. Bon, y a pas que moi qui ai une voiture ancienne. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, vous êtes fous, les gars. On n'est pas au stock car ici. Hein. Oh, ya 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 ya. Je vais avoir beaucoup de difficultés, je sens. Avec cette voiture. Parce qu'elle est. Je trouve qu'elle est lente. Elle rame. Non, non, je suis là, mec. Ils s'en foutent, ces gens, ils s'en foutent. Allez, tourne. Allez, on est sixième. Ah, j'aurais pas dû, j'aurais dû continuer à aller suivre. Laisse-moi la place, toi. Laisse-moi la place. Laisse-moi la place. Non. Il m'oblige à freiner. Allez. On tourne, on tourne, on tourne. On l'a dépassé. Toi aussi, on te dépasse. Ouf. Eh, c'est chaud, les dépassements. Que je fais, c'est... Je sais pas si... Ce serait... bien de le faire dans une vraie course. Allez, les deux premiers sont juste devant moi. Il y a 4 tours. Oh bah, ça va. Tant que je les suis après. Il faut juste pas qu'ils me mettent un vent en fait. Allez, on va dépasser le premier. Chose faite désormais. Le premier, c'est moi. Normalement, mon niveau de pilotage augmente. Plus je joue et mieux c'est. Je me demande quand est-ce qu'on va faire la course sur le circuit du Mans. Parce que ça va être très très long, à mon avis. Ils vont nous faire 40 000 tours. Et le circuit il est gigantesque. Je me rappelle sur Forza Motorsport 3. On a fait l'ultime circuit du Mans. J'y ai passé 2 heures, je crois. Non-stop. Non-stop sur le circuit. Tellement qu'il y avait tout. Donc,
Imaginez-vous 2 heures de vidéo, il n'y a qu'un seul circuit, toujours la même chose. Ah mais si c'est le cas, je couperai en plusieurs parties, parce que 2 heures d'un coup, déjà pour le mettre sur YouTube. Donc nous sommes toujours premiers et on va attaquer le troisième tour. Voilà, ce qui est fait. Félicitations, vous avez battu. À chaque fois je bats quelqu'un. Prochain adversaire, Captain Gogor. Gogon. J'ai pas encore compris c'est quoi. Vous avez battu un adversaire. Je sais pas. Je crois c'est niveau des virages, si c'est correct ou pas, ou le temps aussi. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus. C'est pour monter sur le classement Forza en fait. C'est le classement des meilleurs joueurs. La dernière fois j'étais, je sais plus, 300. 300e. La première fois que j'ai joué, j'étais 300e. Alors, virage correct. On continue la course. Hein. Pour l'instant, on fait une course parfaite. Voilà. On va se remettre en vue normale. Donc, vous voyez plusieurs vues. Parce que sinon, c'est toujours pareil vu l'intérieur. Patine, hein. Je mens pas quand je dis qu'elle patine. En même temps, c'est parce que je freine pas assez. Quoi. Normalement, il faudrait freiner à fond et aller très doucement sur les circuits. Vu qu'on est encore un petit peu en mode bourrin. Ah, vous avez battu. Ah, j'ai battu 2 adversaires. Votre adversaire est Najag. Ah, si jamais vous voyez dans la liste en haut. Sachez que je vous ai battu. Après, j'irai voir combien je suis dans le classement Forza. Ça peut être intéressant de voir combien on est classé niveau pilotage. Bah, j'ai longue route, d'accord. J'irai voir les succès Xbox aussi parce que j'ai pas vu, j'en ai déverrouillé 2. Le premier, je sais, c'était Bienvenue à Forza, mais l'autre, j'ai pas vu. Allez, allez, on perd pas de temps comme ça. Ouf. Ça pète un peu, hein. Eh, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous dire, la joie de vous dire que le gagnant, c'est encore moi. Avec un petit dérapage en arrivée, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ah ben, un nouveau succès débrouillé d'ailleurs. Homme de tête, vous avez mené sur un total de 80 km. Déjà? D'accord. Yes! Niveau pilote 6. Alors un tirage. Attention. Ah, 50 000 crédits. Bon, j'aurais préféré celui du milieu, mais peut-être une voiture. Comme ça, j'ai pas acheté de voiture. Yes. D'accord. Donc la course, on s'arrête là. Voilà, on s'arrête là. Ah bah non, je suis pas 300e, non, je suis tout en bas. Alors je suis 13 000e. Ouais, je suis 13 000e. Vous êtes dans le top 75%, trié par Europe. Ah mais c'est dans toute l'Europe. D'accord. C'est ah ouais. Et le premier il a fait 1 minute 12. Ah ouais. Le joueur fou. Donc on va se quitter là. Moi je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao ciao.